Olivier, aujourd'hui tu nous présentes une 308 GTI qui est de quelle année? 2020. Ce sont les toutes dernières. Ils ont commencé à la fabriquer en quelle année? Elle a été présentée pour la première fois en 2015. Qu'est-ce qu'on retrouve comme bloc, comme puissance sur ces 308 GTI? Alors la mienne est équipée du fameux FAP, filtre à particules, que tout le monde déteste. Des 270 originelles, elle est passée à 263. En revanche, bon, c'est assez anecdotique, elle est passée de 330 Nm à 1900 tours à 340 Nm, ça c'est un peu plus embêtant, à 2100 tours. Ce qui fait que tu as une sensation de chevaux qui arrivent un petit peu plus tard, d'un coup, que tu n'avais pas dans l'ancien modèle, qui distribuait une puissance de manière plus élégante. Tu avais l'impression d'avoir une puissance qui était mieux distribuée. Une impression simple d'avoir un gros atmosphérique. Alors que là, on est sur un modèle à turbo. Oui, exactement. D'accord, c'est un bloc 1,6 litre. Oui. Il y a eu combien d'exemplaires d'ailleurs? À peine 12 000 en 5 ans. Peugeot parle qu'il a atteint les objectifs. Bon, moi, je ne suis pas là pour défendre Peugeot ou les enfoncer, mais ça me paraît effectivement assez court, en sachant que la première année, elle s'est vendue à 5 000 exemplaires et que pour arriver à un total de 12 000 exemplaires, il lui a fallu 5 ans. Aujourd'hui, ils en font encore? Oui, jusqu'au mois de décembre. Les derniers modèles seront produits en décembre et à partir de septembre, les 308 GTI seront équipés du e-cockpit, les compteurs digitaux, tu sais, un petit peu façon Audi A3, je vois, qui donne un côté plus moderne. Moi, personnellement, j'aime pas, j'ai toujours eu horreur des compteurs digitaux, mais il y en a qui aiment, effectivement, ça donne un côté plus moderne à la voiture. Ces 308 GTI a beaucoup de qualité, donc moi, ce qui me marquait le plus, c'est la taille des disques. Au niveau du freinage, on retrouve un freinage 4 pistons? Oui, c'est ça, avec des disques de 380 mm. Au niveau de la catégorie de voiture, c'est assez unique sur le marché. Hein. 380 mm, je ne sais pas si les gens se rendent compte, mais c'est énorme. Hein. Pour une voiture qui fait à peine 1300 kg tout mouillé, 263 chevaux, on est vraiment sur un système de freinage à l'avant en tout cas, moins à l'arrière, mais à l'avant qui est totalement surdimensionné. On ne va pas s'en plaindre. Hein. D'après les spécialistes sur circuit, que je ne fais pas, apparemment la bagnole au niveau du freinage est incroyable. On trouve aussi des belles jantes en 19 pouces, donc c'est du magnésium? Oui. Oui, c'est ça, par rapport, je n'ai pas expliqué, elle a existé aussi en version 250 chevaux au tout début de l'année 2015. Elle s'est très peu vendue, pourquoi? Parce que tu perdais les jantes de 19 pouces pour prendre des jantes en acier, en aluminium, de 18 pouces. Tu perdais le différentiel à glissement limité dont elle est équipée en série. Caractéristique très importante du coup qu'on retrouve sur cette 308 oui, GTI. Oui, oui. C'est vrai qu'on a un DGL, donc torsen. Exactement, ouais, exactement. Et tu as cette sensation assez étonnante quand tu attaques un petit peu un rond-point, un petit peu de manière optimiste. Tu sens, faut pas oublier que c'est une traction, donc elle subit forcément son problème congénital d'élargir la trajectoire, donc de faire du sous-virage. Et quand elle sent qu'il y a une perte de motricité, tu sens la voiture qui se repositionne sur la corde alors que tu n'as pas changé l'angle de volant. Ouais, ce sont tous les calculs qui font que du coup la voiture se rattrape quasiment elle-même en fait. Exactement, hein. c'est très impressionnant à voir. Donc quand on connaît la qualité des châssis Peugeot qui n'est plus à démontrer, associé à ce différentiel, ça rend la voiture extrêmement efficace avec une chose très étonnante. C'est qu'elle ne perd pas en confort. Même si ce n'est pas une voiture extrêmement vue sur circuit, comme bon, ça s'explique par le très peu de ventes qu'elle a fait, mais c'est effectivement une voiture qui apparemment se pilote très facilement sur circuit, sans pour autant battre des records, elle n'est pas là pour ça, il y a largement plus puissant, mais c'est une voiture qui se défend très bien d'après ceux qui l'ont mis sur ça. Elle est totalement d'origine, j'ai absolument rien fait, rien du tout. Ouais. Et puis elle est vraiment jolie, donc on le rappelle, la 308 est sortie en 2013, donc pas la version GTI, la version GTI en 2015, mais je trouve qu'elle... Elle a vraiment encore beaucoup de gueule, elle est vraiment très 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 belle. J'aime beaucoup ce diffuseur arrière avec les deux sorties bien, bien éloignées. Non, elle est belle cette 308 GTI, bah, j'aime beaucoup. Comme on disait, comme je t'avais expliqué par mail, on est sur une voiture qui est, je te parle de la 308. On est sur une voiture qui est sortie en 2013, donc en termes de date de conception, dans les premiers dessins qui ont été esquissés par Peugeot, dans les bureaux d'études, on est sur une voiture, on va dire, qui a été dessinée en 2010. Je trouve que pour une voiture qui a 10 ans, c'est un siècle en automobile, je trouve qu'elle est encore très, 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 très jolie, très séduisante. J'ai remarqué qu'au niveau de la lame avant, c'était rouge. C'est très joli, je trouve ça agressif. Oui, ouais, c'est les petites touches. Peugeot est très discret, très, très frileux sur plein de choses. Ils ont apporté quelques petites touches distinctives. Effectivement, quand tu l'as dans le rétroviseur,
et que tu ne sais pas qu'elle est chaussée en 19 pouces, c'est une voiture qui est très discrète. Mais effectivement, cette lame rouge permet de la différencier par rapport à toutes les autres 308. C'est la seule à en disposer. Hop. Donc on retrouve des sièges qui sont tout simplement magnifiques, dans lequel je trouve qu'on est très 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 bien maintenu. C'est vrai que je m'étais déjà assis tout à l'heure. Bon, là on arrive sur un sujet où bon, j'ai un petit peu du mal avec ces 308 GTI, donc 208 GTI également, parce que c'est un petit peu le même concept. Ce volant qui est bas, avec les compteurs qui sont bien relevés, oui. On s'y habitue ? Alors, c'est un point qui est très intéressant parce que effectivement, c'est ce que je lisais partout sur les forums et c'est ce qui m'inquiétait un petit peu parce que bon, la position de conduite, c'est un peu l'essence même quand tu achètes une voiture. Et moi, dès le départ, j'ai tout de suite validé. Ça, j'ai pas de problème, comme certains le disent, extrêmement fâcheux. Quand, ouais, mais c'est gentil quand tu es devant le volant. Bon, il est mignon, tout ce que tu veux, mais j'arrive pas à lire le contour. Moi, j'ai aucun problème pour le lire. Justement, c'est vrai que quand je suis dans cette position de conduite... Oui. Après, on peut régler le siège en hauteur ? Oui, absolument. Ouais, bon, ok, ça va. Alors, je retire ce que j'allais dire. Mais j'avais peur, justement, que le volant gêne la lecture des... aussi bien du compteur de vitesse que du contour. Oui, c'est effectivement ce que disent beaucoup de personnes. Et moi, je n'ai pas été confronté à ce problème qui, alors là, pour le coup, a été très fâcheux. Après, au niveau du volant, il est petit. Oui. Il est petit, mais écoute, il a l'air d'être bien fini. Pour une voiture, ouais, pour un volant de 2015, non, ça va, il ne fait pas démodé. Il est joli, il est siglé GTI. Je trouve que c'est... Bon, au niveau de la console centrale, il y a un petit vide, j'ai l'impression, ici, oui. Sur cette partie-là. Oui, je suis assez d'accord. Je ne suis pas un grand fan non plus. Après l'écran, bon, bah, rien à dire. Il a l'air d'une taille assez honnête, enfin, de ce qui se fait encore aujourd'hui, j'ai envie de dire, même. Oui, avec quand même un petit problème de réactivité. Je ne retrouve pas la réactivité, par exemple, des écrans qui existent chez les Allemands. Chez Renault, je ne connais pas. Mais chez les Allemands, dans les voitures que j'ai pu monter, il y a une très belle réactivité. Ce qui n'est pas tout à fait le cas de celui-ci. Par exemple, si je vais dans les options. Ouais. Alors là, c'est. Ah ouais. Tu vois le temps de latence. C'est vrai qu'il y a une latence. Tant qu'elle est moteur tournant, tu peux nous faire peut-être quelques petites montées en régime, oui. Juste pour qu'on entende. Donc, je sais que tu nous disais que elle fait un bon bruit avec le cold start, mais dès lors qu'elle est un petit peu chaude, elle s'éteint, littéralement. Oui. C'est assez impressionnant au niveau du. Quand elle est froide, ce qui était légèrement le cas maintenant. J'ai entendu. Tu l'as entendu ? Oui. Ça crachoute, c'est pas désagréable, c'est sympa, mais au bout de 30 secondes, on a l'impression même que le moteur se coupe. Il n'y a aucune identité auditive. C'est triste, hein. Ah oui. On entend presque plus le bruit moteur à l'avant que le bruit échappement. Ah mais complètement. Ce qui n'est pas le cas sur les 270 chevaux. Sur les 270 chevaux, tu avais par moment des espèces de petits crachotements quand tu changeais le rapport, mais qui ont complètement disparu sur la 263. Ça, c'est un point important. Alors, je t'explique quand même tout. Moi, j'ai l'âge que j'ai, ça se voit. Je ne voulais pas non plus d'une voiture où quand tu démarres au feu rouge, tu as tout le monde qui se retourne. Mais j'aurais aimé au moins avoir que Peugeot laisse l'option de déclencher un système de clapet comme ça se comme fait on le voit aujourd'hui, bien sûr. Et quand ça te prend la tête, moi ça me prend rapidement la tête. Et bah, tu fermes tout et tu te fais une conduite HDI dans le silence comme j'aime aussi. Je voudrais qu'on parle de fiabilité. Oui, alors sur les versions GTI, je connais moins les autres 308, mais assez curieusement, le bloc ne connaît pas d'avarie particulière. Mais je te ferai remarquer que c'est une tendance assez régulière chez Peugeot. Peugeot, c'est pas du tout la marque la plus fiable du monde, d'Europe, ça se saurait. Elle est dans la bonne moyenne. Mais tu remarqueras que sur toutes les voitures de sport chez Peugeot, on a toujours eu étonnamment des voitures très fiables. 205 GTI, increvable. 106 Rally, increvable. 106 S16, increvable. 306 S16 que j'ai eu, increvable. Et là, pour un moteur qui est sorti depuis 5 ans, à ma connaissance, et crois-moi, j'écume les forums, c'est pas un moteur qui pose réellement problème. On a quelques problèmes sur les freins qui n'engagent pas la sécurité, des problèmes de couinement, des problèmes de bruit, de cornes de brume. Mais sur le moteur en lui-même, je n'ai pas à ce jour de témoignage sur les forums de cas extrêmes, turbo cassé, embrayage, moteur
Biel qui, enfin tu vois tous les trucs graves qui peuvent arriver à, qui peuvent arriver à un moteur. D'un autre côté, il faut quand même pas oublier qu'il est sorti pour la première fois sur les RCZ-R. C'est un moteur qui a déjà 6 ans, hein. C'est un moteur qui est pas, qui est plus tout jeune. Donc quoi, qui a fait ses preuves. Qui a fait ses preuves. Pourquoi je pose cette question? Tout simplement parce qu'on est quand même sur un bloc, bon allez, on va prendre le 270, un bloc de 270 chevaux, oui. Uniquement en 1 litre 6. Oui. C'est vrai que donc, la cylindrée moteur est assez restreinte par rapport à la puissance qui est procurée. Et c'est pour ça que j'en suis amené à me poser la question. 1 litre 6, c'est ce qu'on retrouve par exemple dans la Kyoka TRS. C'est vrai que sur le segment du dessus, parce que sa concurrente directe est quand même la Mégane RS, si je ne me trompe pas, je trouve qu'au niveau de la cylindrée, c'est un petit peu faible. Donc j'en étais arrivé à me poser la question si la fiabilité suivait. Non, ta question est pertinente et effectivement, elle engendre peut-être la deuxième que tu pourrais me poser. Est-ce que je ferais une petite préparation, une petite augmentation, oui, de puissance? Alors du coup, je pense que, honnêtement, je pense avoir la réponse, tu la laisseras full stock, full origine. Stock, j'ai jamais touché à une seule de mes voitures, je ne suis pas trop fan de ces trucs-là. Maintenant, j'ai beaucoup d'affection, de tendresse pour ceux qui le font. Par rapport au côté de faire évoluer sa voiture personnelle, je ne critique absolument pas. Là, on est sur un petit bloc quand même. J'ai une garantie sur la voiture. Je peux pas trop me permettre de faire ça. Elle restera full origine, j'y toucherai jamais. Et donc, elle a été proposée uniquement en boîte manuelle. Oui, elle existe en boîte 6, rapport court. C'est une boîte très courte. J'en veux pour preuve, elle est chronométrée en Vmax à 253, 254 km/h. Et cette vitesse, cette Vmax, tu l'atteins en fond de sixième, elle est bloquée par le rupteur. C'est le rupteur qui l'arrête à 254. D'accord. Ça, c'est assez unique aussi. Ouais, c'est vrai que c'est marrant. Donc, tu es en sixième à 254 km/h et tu as la rupte en fait. Tu vois le rupte qui, boum, hop, tu ralentis, elle réaccélère, gling, gling, ça bloque. Une boîte courte, donc ça prouve que c'était une voiture qui est vraiment conçue pour le circuit aussi, pour être efficace. Oui, je pense. Je suis pas un expert là-dedans, mais oui, je pense aussi, effectivement. Au niveau des modes de conduite. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve? Il n'y a pas de suspension pilotée. C'est absent totalement en série et en option. Ça n'existe pas. C'est toujours la même suspension que tu as. Et tu as ce fameux mode sport. Qu'est-ce qu'il apporte, ce mode sport, exactement? Alors, il apporte trois choses. La première, les compteurs qui passent rouge. D'accord. Un petit côté sympathique et des nouvelles informations qui te disent au niveau des chevaux, combien tu sors de chevaux, la pression du turbo. Il faudrait qu'on en parle parce que je vois des fois des chiffres de 2,5 bars apparaître. Je me demande comment c'est possible. C'est un peu élevé, ouais. Ça me paraît bizarre. Et le couple. Et le couple, effectivement. Le couple qui apparaît ici. D'accord, c'est sympa ça en temps réel d'avoir tes chiffres qui évoluent oui. Bah, en temps réel. Hein, oui, tout à fait. Je trouve pas ça désagréable. Le côté rouge aussi. Il y a au niveau de la pédale d'accélérateur une sensibilité au niveau de la pédale qui est décuplée. Ouais. Je la commence à la connaître depuis que je l'ai. Elle a 4000 km. Mais au tout départ, j'avais même des à-coups. Ouais. Parce que j'ai du mal à la tenir. On sent vraiment que les chevaux. Tout ce qui est dans parking, toutes ces choses-là. Ah oui, dès que tu chatouilles à peine la pédale, t'as la sensibilité qui est tellement élevée que tu te prends un à-coup. Exactement. Fait. Ou dans les bouchons, c'est absolument intenable. Oui. C'est effectivement, on ira à gauche. Ouais. Effectivement. C'est absolument intenable. Le problème, et on l'a déjà évoqué pour le bruit à l'échappement, sauf que là, c'est le bruit à l'intérieur, c'est que ça te met un bruit de bateau, une espèce de bruit de moteur Gran Turismo version 1995 sur moi ce que j'appelais la PSX et vous ce que vous appelez la PS1 parce que j'ai 50 piges. Je ne sais pas comment Peugeot Sport a pu valider un département aussi prestigieux, a pu valider un tel bruit. Je ne comprends pas. Tous les forums, tout le monde essaye de le désactiver. Laissez les trucs rouges, la pédale plus sensible, pourquoi pas. Mais ce bruit de moteur, c'est pas possible. C'est peut-être lié au fait que la voiture a été développée en seulement 18 mois. Peut-être que c'était pas la priorité. Peut-être. Hein? Peut-être. Parce que c'est vrai que tu nous disais que côté Peugeot, on ira à droite. Oui. Côté Peugeot, c'est vrai qu'ils ont attendu en fait. Ils ont sorti la Peugeot 308 normale. Oui. Et ils ont attendu de voir comment elle se vendait avant de faire la GTI. Oui. Donc peut-être qu'ils se sont aperçus que la 308 marchait bien et peut-être qu'ils ont voulu dans la foulée. Pendant que les gens achetaient beaucoup des 308, sortir la 308 GTI au plus vite. Et peut-être que ça ne faisait pas partie des priorités. Peut-être. C'est peut-être ça l'explication, mais c'est malheureusement, c'est pas déconnectable. Donc là, je l'ai enlevé. On fera le comparo tout à l'heure. Quand on accélère, on a un bruit qui sort des enceintes. Bon, ça, c'est la mode, je dis rien. Mais alors, ce bruit de bateau, je peux pas le définir. Je voudrais qu'on parle aussi de prix. Combien ça coûte aujourd'hui une 308 GTI? Ça ne tient pas la cote. Il faut le savoir. Alors, neuf, ça coûte avec les options qu'il y a dedans, ça coûte 41 000 euros.
Maintenant, il faut être fou pour acheter ça au prix catalogue. Tu peux sans aucun problème chez Peugeot l'avoir quasiment à un prix mandataire. J'ai bénéficié de un petit peu moins de 19% sur la voiture neuve. Donc grosso modo, un mandataire aujourd'hui te la sort à 21, 22, 23% pour les meilleurs prix. Ah ouais. Et tu peux l'avoir chez Peugeot quasiment à 19% en dessous du prix catalogue. Ce qui peut expliquer aussi cela, c'est qu'elle disparaît du catalogue au mois de décembre et que Peugeot n'en vend pas. Mon concessionnaire chez qui je l'ai... Pas le tour du rond-point. Oui. Mon concessionnaire chez qui je l'ai pris me l'a dit. Hein, vous êtes le deuxième client à qui j'en vends une en 5 ans. Incroyable. C'est quand même assez impressionnant. Incroyable. Et on sait si à l'étranger ça a été mieux vendu enfin... Non, c'est du. Alors bon, à l'étranger, il y a la Rennes Golf GTI, je ouais. pense, en Allemagne. Les gens ne jurent que par ça. Par contre, il y a un capital sympathie qui se voit sur YouTube d'allemand, d'anglais, ouais. de espagnol, portugais. Elle est énormément appréciée par les youtubeurs essayeurs. Ah, ça, faut le savoir. Énormément d'accord. apprécié. On peut peut-être mettre le mode sport et puis voir oui. du coup. Sans et avec ou le mode sport Allez, une petite accélération pour voir sans et puis après avec. Alors, pour voir en, un petit. Je suis en troisième. Alors, une petite reprise en trois. Non, ça marche bien. C'est très correct. Hein, c'est... Ouais, je trouve que c'est correct. On sent les plus de 300 Nm. Oui. On sent ouais, qu'il y a une poussée. Non, c'est correct. D'autant plus qu'on était sur une reprise en 3. Oui. Donc je trouve que c'est honnête, honnêtement. Et là, je suis en 4, à la manière, on va dire, d'un diesel. Je rétrograde pas. Ouais. Même en 4, c'est assez impressionnant ouais, quand même. C'est vrai que même en 4e, je trouve que c'est que ouais, c'est... La voiture s'élance vraiment sans aucune difficulté, il n'y a pas de problème de reprise. Non. C'est très correct. C'est pas foufou. J'imagine bien évidemment qu'il y a beaucoup plus performant. Il y a toujours plus performant, mais il faut prendre en considération les caractéristiques de la voiture à l'instant T. Exactement. On n'est pas dans une voiture qui fait plus de 300 chevaux, Exactement. Plus de 400 chevaux ou autre. Exactement. Là, on est sur une voiture qui fait un petit peu plus de 250 chevaux. Je trouve que ça réagit très 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 bien. Oui. Franchement, ouais, c'est d'accord. C'est presque surprenant. Oui. Une bonne poussée. Est-ce que tu sais aussi si ça sort ses chevaux? Non. Deuxième point important, effectivement, les 308 GTI sont connus pour ne pas sortir leurs chevaux. La 270 sortait péniblement dans les 250, oui, dans les 259-260 chevaux. Il y a même eu des cas catastrophiques de mecs qui l'ont passé au banc et qui avaient une 270 chevaux achetée officielle chez Peugeot, hein. Une 270 chevaux qui sortait 249 chevaux. Ah ouais, donc ça c'est un vrai, ça c'est un problème qu'on n'explique pas. Par contre, tu la trouves dans les sports auto, échappement. Tous les modèles qui sont testés par la presse sortent leurs chevaux. Je pense qu'il doit y avoir étrangement, une sélection. Ils doivent sélectionner celles qui sont les plus en forme. Oui. Ou alors ajouter ce petit complément qui manque sur certaines. Absolument. Voilà. On retrouve cet à-coup au passage de rapport qui est génial. Oui. Hein oui, tout à fait. C'est vrai que là, dans ces premières reprises en 3 et en 4, on sent bien le couple. Mmh. Ça, c'est vraiment. Il n'y a rien à dire. On est poussé au fond du siège, on a une bonne sensation d'accélération, oui. On sent que c'est plein. Non, on sent que c'est bien. C'est, franchement, j'ai rien à dire sur ce point. Mais je suis quand même assez curieux de voir sur une reprise en deuxième, oui. Déjà dans un premier temps, voir si la puissance. Ouais, à gauche, là-bas. Voir si la puissance passe bien au sol. Oui. Donc une reprise en 2 à 2000 tours. Ça se positionne par rapport au Mégane Tout ce qui est Mégane 4RS, par contre, en temps en tour sur les circuits, c'est souvent devant. Du coup, elle est quand même un petit peu derrière Mégane 4RS. Oui, elle est quand même derrière au niveau des Mégane 4RS. Il peut y avoir des exceptions, je connais pas tout l'internet, hein, bien sûr. Ouais. Mais grosso modo, oui, elle est derrière. Où elle se positionne bien, c'est plutôt par rapport à tout ce qui est Golf GTI. Je parle pas des clubs sport, je parle pas des R32, bien évidemment, mais la Golf GTI de on base. Est même. Voilà, 250, 265 chevaux. Elle, par contre, elle a son mot à dire. Je pense qu'elle doit se rattraper par rapport au Golf au niveau du châssis. Et en parlant châssis, du coup, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, qui as été un petit peu sur les belles routes Corse? Le châssis est bon? J'ai trouvé ça exceptionnel. C'est accrocheur comme pas possible. Je lui reproche juste un petit truc, deux choses. La première, c'est que parfois, je me suis surpris à avoir des moments de glisse qui ne sont pas du tout traîtres. Elle est très prévenante. Et d'autres fois, où je me suis dit, là, c'est dû sur le trajet Sartène Bonifacio, c'est des grandes départementales absolument magnifiques. Et parfois, tu aimerais tutoyer ses limites, et je n'arrive pas à les tutoyer.
Et quand j'ai ce genre d'expérience avec une voiture, je m'en méfie un petit peu. D'accord. Parce que j'ai toujours peur que, à force de ne pas connaître ses limites, j'avais eu le même problème avec la 306 S16. Une fois, je les ai tutoyés et quand ça part, ça part. Si tu devais nous donner les avantages et inconvénients de cette 308 GTI, donc sur une utilisation qui est quand même assez courte, hein, ça fait quelques mois que oui, tu l'as. Donc on t'écoute, on va commencer par les points positifs. Les points positifs, j'en vois un qui est marquant, c'est sa polyvalence. Je pense que cette voiture-là, et qui la rend, je pèse mes mots, presque unique, c'est que je pense qu'elle sait tout faire bien. Mais quelqu'un qui cherche des domaines, des cases à cocher, je veux que là, elle soit très bien, il ne faut pas qu'il prenne ça. Cette voiture-là sait tout faire bien, mais peut-être pas forcément dans tous les domaines très bien. Le côté décevant, je suis le premier à le dire, au niveau de sa sonorité, ça a aussi un avantage. Tu n'arrives pas avec une tête comme ça au bout de 800 km. Tu passes incognito dans la rue. Moi, j'ai pas envie qu'on se retourne sur moi. Par contre, effectivement, quand j'entends la tienne, j'aurais pas craché sur un petit mode sport qui, de temps en temps, me donne un côté velu à la voiture qu'elle n'a pas, incontestablement. Le principal défaut, du coup ? Peut-être l'entretien, le changement des disques à l'avant. Ah oui, très important. N'achetez surtout pas ça. Si vous achetez ça d'occasion, renseignez-vous bien quand est-ce que le propriétaire a changé les freins. Les disques, accrochez-vous les enfants. On est sur 2000 euros le changement des disques avant. Alors, impressionnant. J'ai bien dit les disques, hein. Ça, pas la révision, hein. C'est juste les disques. Après, il y a la révision. Ouais. T'es resté quand même sans sportif pendant un bon moment. Pendant 17 ans, j'ai eu que des diesels. Donc vous imaginez, je sors d'un diesel qui faisait 112 chevaux pour 1586 kg. Je monte là-dedans, bien évidemment, il ne faut pas me demander comment ça marche. C'est pour ça que la chaîne de Alex, c'était important pour moi d'avoir ton avis. Parce que mon avis à moi, il est forcément déformé. Il faut absolument qu'on entende ce mode sport avec ce fameux bruit. Alors, je me tais. Allez. Je le mets. Ouais, c'est... En plus, on a l'impression qu'il y a une petite latence entre le vrai bruit de la voiture et le... Ouais, non, c'est... Ouais, c'est pas foufou. C'est pas foufou. Pour venir, tu me demandais si je sentais... On ira toi. Si je sentais une différence en termes d'accélération. Oui, c'est ça. Alors, ce que je te disais, c'est que c'est un petit peu dur de te faire un retour sur un essai qui dure à peu près en moyenne 20 minutes, sur lequel on fait 2-3 accélérations. Oui. J'ai eu une légère impression que ça marchait un petit peu mieux. Donc, est-ce que tu as exploité la voiture d'une manière différente ? Pas du tout. Du coup, il y a une différence réellement ou pas qui a été vérifiée ? Moi, je sais pas. Je sais pas. J'ai l'impression qu'elle accélère plus profondément, j'ai l'impression qu'elle arrache, oui, selon l'expression, qu'elle arrache plus. Mais il y a ce bruit, le bruit, juste, alors donne-moi ton avis sur. C'est pas foufou, effectivement, c'est vrai que. Un bruit de bateau, un bruit, comment tu. Ouais, un petit. Ouais, c'est vrai. On dirait un bruit de bateau. En quelque sorte, ça ressemble un peu à un bruit de bateau. C'est d'ailleurs dommage qu'il. Enfin, c'est un bruit qui est contrôlé justement par cette interface-là. C'est quelque chose qui pourrait mettre à jour. Je comprends pas. Est-ce que l'information est remontée jusqu'à Peugeot Peugeot est au courant. Le DG de Peugeot, Monsieur Imperio, gros bonnet de Peugeot, c'est entre guillemets fait mettre à l'amende gentiment, hein, par un YouTuber disant Monsieur Imperio. Faites quelque chose avec votre mode sport, quoi. Vous anéantissez à chaque fois vos voitures de sport avec ce bruit de cachalot. Et le mec, il a regardé, il lui a dit, bon, je vais, ce que vous dites m'intéresse, je vais m'en occuper. Bon, c'est une vidéo qui date de 4 ans. Ouais, donc il n'y a pas eu forcément de suite. Mais c'est vrai que c'est dommage qu'ils aient peut-être pas proposé une petite mise à jour qui permettrait justement de corriger ce bruit. C'est vrai, on peut considérer que ça ressemble à un bruit de bateau. Résultat, je l'enlève tout le temps. Je voudrais quand même donner mon avis, donc, du coup, sur cet essai, sur la voiture, ce que j'en ai pensé. Donc, à commencer par l'esthétique, j'aime beaucoup le fait qu'elle soit discrète. Autre point très positif, le freinage. Donc, avec ce freinage 4 pistons et ces disques en 380 mm qui, je pense, sont très très efficaces sur circuit. De toute façon, les essais l'ont montré, les différents avis aussi. Ouais. Niveau de l'intérieur,
de manière générale, ça me plaît. Je suis juste pas très fan de cette position de conduite, comme je l'avais évoqué. Enfin, cette position de volant qui est assez basse avec les compteurs qui sont au-dessus. Après, tu m'as dit que c'était pas forcément un problème. Pour moi, non. Pour toi, non. Sinon, au niveau des sensations, je trouve que pour un moteur qui fait, enfin, une voiture qui fait un petit peu plus de 250 chevaux, ça marche relativement bien. Le châssis, bon, malheureusement, on peut pas trop le tester sur les routes. On est quand même sur la voie publique, mais au vu des différents avis, ça semble très très positif. Tu le constates toi aussi? Oui, franchement, c'est ce qu'on, au-delà de ça, même au-delà de l'efficacité, c'est ce compromis confort, tenue de route, efficacité que je trouve exceptionnel, vraiment. Les choses qu'on pourrait moins aimer, bon, c'est ce son qui est artificiel. Après, moi, c'est ce que je t'expliquais, Olivier, ça serait pas un frein pour moi parce que ça reste quand même un son artificiel intérieur qu'on peut désactiver, hein, qu'on n'est pas obligé d'activer tout simplement, hein, et qu'on peut compenser par l'ajout d'une ligne. Toi, c'est vrai que Olivier, tu veux la garder d'origine, donc oui. Je respecte totalement. Donc pour toi, par contre, ça peut être, oui, un petit souci. Après, voilà, si ça te pose réellement problème, tu ne l'actives pas et puis tu l'entends pas. C'est une voiture qui pourrait correspondre à mes attentes si j'étais amené à changer. Après, c'est vrai que j'aimerais découvrir autre chose que le 4 cylindres, à commencer par le bruit. Je voudrais plutôt passer sur un 6 cylindres et aussi au niveau de la transmission, passer peut-être plus sur quelque chose en propulsion pour changer un petit peu et découvrir de nouvelles sensations. Mais en tout cas, non, ça m'a l'air vraiment d'être une super voiture. Et Olivier, on te remercie pour cette présentation bien détaillée. C'est moi qui te remercie, Alex. J'en avais un petit peu marre des essais voitures entre deux feux rouges et je savais que je pouvais compter sur toi, sur ta chaîne. Je te remercie sincèrement. On peut ne pas aimer et aimer cette voiture, il n'y a aucun problème là-dessus, mais je voulais vraiment une belle présentation de la voiture avec ses qualités et ses défauts. Il n'y a aucune voiture parfaite qui existe au monde. Bon, et bah très bien. Bah en tout cas, merci à toi encore une nouvelle fois, Olivier. C'est vrai que tu nous as permis de faire une présentation bien détaillée de ton auto. Et bravo, parce que là, c'est vrai que la voiture, tu l'as depuis peu de temps et tu sembles la connaître déjà sur le bout des doigts. Et ça, c'est remarquable. Merci. À une prochaine, peut-être. Avec grand plaisir, peut-être. On sait-on jamais.